FM, la radio qui vous autorise tous les rêves. Fille de Boubacar et de Cory Kone, tous originaires de Kaya, c'est en 1966, le 12 janvier précisément, que Sadio Kouyaté a vu le jour à Ségou, la quatrième région administrative du Mali, s'il vous plaît. Issue d'une grande famille de griots appelée communément Djili, elle a hérité de la musique à travers sa grand-mère maternelle du nom de Penda Dante, descendante de Tienti Giba Dante, donc, qui était le griot du roi de Ségou, Damonzon Diara, s'il vous plaît. Après avoir arrêté le cycle scolaire au niveau du diplôme d'études fondamentales, elle va rester aux côtés de sa grand-mère pour l'apprentissage donc de la musique. Et c'est pendant les cérémonies de mariage, baptême et autres activités culturelles que la jeune fille qu'elle était va faire ses premiers pas dans la musique. En 1978, Sadio va participer à sa toute première biennale artistique et culturelle à Ségou. Quelques années plus tard, elle va faire la rencontre de Djili Madi Tunkara, guitariste émérite à l'époque de l'orchestre Le Rai Band. C'est alors qu'elle va enregistrer sa première sortie dans plusieurs villes du Burkina Faso. Aujourd'hui, Sadio Kouyaté est une grande cantatrice, auteure, compositrice. Il faut savoir que c'est en août 1987 à Lomé, la capitale donc du Togo, que Sadio Kouyaté va enregistrer, s'il vous plaît, son tout premier album intitulé Marie Gundo. Son deuxième album sortira avec le titre Paï Kone, album enregistré au Mali à l'ORTM avec une production de Silar Productions, s'il vous plaît. En 1989, le troisième album Amadou Sekou fut enregistré à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En 1992, le quatrième album avec le morceau phare Iye Djaja, chanté en langue sarakolé et produit par un certain Damiel Cusax, a connu un succès extraordinaire. Ce fut donc le début d'une carrière fulgurante. Ce fut le déclic, si vous voulez, car une fois sur le marché international, cet album va faire le tour du monde. C'est grâce donc à ce morceau que les gens m'ont écouté et enregistré. Selon Sadio Kouyaté, en 2011, Tonton la Ablo, fille de Boubacar et de Cory Kone va s'autoproduire en enregistrant au studio Bougalan à Bamako l'album Sounafi. Puis viendra ce morceau légendaire de son répertoire See You Tomorrow qui a engrangé donc un succès énorme ici en Guinée-Conakry que vous étiez en train d'écouter maintenant dans Couleur Guinée. Sadio Kouyaté nous a fait l'amitié d'être là. Elle a dit qu'elle allait être là. Elle est là. Bonne arrivée Sadio Kouyaté. C'est ton plaisir exquis de t'avoir dans Couleur Guinée. Merci. Même si aujourd'hui on a touché le Mali, c'est pas grave parce que Mali et la Guinée, c'est deux pays frères quand même. Hein. Et vous allez dire bonjour à ces millions d'auditeurs qui nous écoutent maintenant. Bonjour à toute la Guinée-Conakry. Donc, moi, je suis très, très contente d'être là Tonton ce matin Ablo pour animer un grand soumou. Waouh. Le soumou, ce n'est pas n'importe quelle soirée. D'accord. C'est pour raconter des histoires. C'est-à-dire, ce jour-là, on laisse la parole aux paroliers. Voilà. C'est le rendez-vous de la parole. D'accord. Voilà. Et parce qu'il y aura une partie, il y aura l'ambiance. Okay. Mais il y aura une partie, il faut vraiment être attentif, bien écouter. L'histoire. D'accord. Voilà. Parce que tous les noms de famille, comme je le dis tout le temps, mm-hmm. a une histoire. D'accord. Le Manding, c'est le Manding profond, c'est le Mali et la Guinée. D'accord. Donc, les noms de famille, tout le monde a les une origines. Histoire. Okay. Les origines, quoi, voilà. Mm-hmm. Par exemple, si on dit Camara, il faut expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait les Camara. D'accord. Si tu dis Sylla, il faut expliquer aussi qu'est-ce qu'ils ont fait les Sylla. Mm-hmm. Quand on dit les Traoré, il faut expliquer aussi. D'accord. Comme Moussa Traoré le Grand. Et puis les Kaba, voilà, le on est Sako. Là pour ça, quoi. Les Sako Biba de Wakane. Mimi Sako, Iramaka Sako. Ça, c'est des Sarakolés, des grands Sarakolés. Et personne ne peut mieux faire que les Djili. Les griots, oui, voilà. Exactement. Ce n'est pas les artistes, ça c'est les griots. Oui, mais, voilà. Mais vous êtes Kouyaté. Voilà. Vous êtes Kouyaté de sang. Oui. Vous avez parcouru le monde entier aux États-Unis. Vous avez même eu partout. La chance de jouer Tonton devant Ablo. Le président américain qui ça, était c'est Bill Clinton. Bill Clinton. Avec exactement. Bill Gates. Yes. Et puis le président actuel. Ok.
qui est Donald Trump. Donald Trump. J'ai eu la chance de jouer devant ces trois grands. Mais Sadio Kouyaté est trop accroché à la Guinée. J'aime cette terre. D'accord. Moi, je sais pas. Peut-être j'ai un diable ici. Quand même, j'aime bien ici. Ok, d'accord. Tout le monde le sait, même aux États-Unis, les gens me demandent. Toi, tout le temps, tu es en Guinée. Il y a quoi là-bas? Okay. À Bamako aussi, les gens me disent, mais elle est guinéenne. Okay. Et c'est vrai, je suis fier d'entendre ce mot-là. D'accord. J'aime bien, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Quand même, j'aime bien la Guinée. Ok, et ça avec la main sur le cœur, franchement, ouais, j'aime. Ça nous va droit au cœur. Moi aussi. Vous êtes souvent appelé la voix d'or oui. du Mali. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous a collé ce nom? Parce que bon, depuis que j'étais toute petite, c'est d'accord. ma grand-mère, comme vous l'avez dit. Je ne sais pas comment vous avez eu tout ça. J'étais étonné. Hein. Non, c'est notre boulot, wow. Il faut chercher. Tout ce que vous dites, c'est la réalité. D'accord, merci. Il y a des choses, mais moi, j'avais oublié tout ça. Mais ah, merci. Voilà, donc, ma grand-mère Penda Danté, bon, chez nous, on travaille la voix. Donc, c'est ma grand-mère qui a travaillé ma voix depuis toute petite. Vous voyez, donc, moi, tu peux pas avoir ma voix qui pour dire aujourd'hui, ah, ça ne va pas, sa voix a changé, oui. Non. D'accord. Jamais. À l'instant, on est en train d'écouter ce morceau culte aujourd'hui, ce morceau qui est en train de devenir un morceau intemporel par ouais. sa qualité, par la qualité de la voix, par le professionnalisme avec lequel Sadio Kouyaté a travaillé Ablo. Ce morceau. Vraiment. Et tout récemment, j'étais lors d'un événement d'un grand monsieur que vous côtoyez, que vous connaissez. Il s'agit de monsieur Paul Moussa Jawara, oui. Et je profite de l'occasion parce que aujourd'hui c'est son anniversaire en plus. Waouh, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Jawara Diko. Joyeux anniversaire. Ah ouais. Toi Jawara. Ça c'est bien. C'est le parent de l'événement. Ah oui, oui, c'est le parent de notre événement. Non mais c'est un inconditionnel de la culture. Ouais. Et ce jour-là, lorsque j'ai eu la chance de vous présenter sur scène bien dans sûr, son wow. événement à oui. Yimbaya, vraiment. Quand vous êtes monté pour chanter ce titre See You Tomorrow, ouais. vous avez coulé les larmes. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, quand je montais, je savais pas, mais j'ai vu les femmes en bas d'accord. qui pleuraient. Okay. Tonton Ablo. À cause de eux, j'ai pleuré. Hein, wow. Parce que j'ai vu des femmes qui pleuraient. On n'a qu'à arrêter comme ça. On n'a qu'à arrêter. Alors, Prince. Ouais.